Thank you.
équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Let's go.
venez voir. Les Allemands arrivent. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là.
hold down the field. Mon Dieu. Auf ein Boot!